chaussettes. Les chaussettes sérieux, de la mort frère. Qui tuent les plus belles chaussettes de la terre. Ton frère, ça c'est de la chaussette. Ça. Mais moi je préfère les chaussures. Il y a concours là. J'aurais dû mettre mes Hello Kitty pour faire concours. Bah, en fait, c'est pour ça que je les ai mises. Ah, je me suis dit, tu vas les mettre. Et eh ben tu les as pas mises. Non, ce j'essaye ta caisse va être sur exceptionnel. Normalement, je pense. Et c'est exceptionnel pourquoi? Parce qu'on fait la voiture la plus vendue de l'univers international, du monde entier, de toute l'histoire de la bagnole. Plus de 21 millions, ouais. C'est déjà énorme. C'est énorme. Faut dire aussi, elle a été produite pendant des décennies, donc ça aide aussi un petit peu quand même. En Europe. Voilà. Ah, et attends, la plus vendue dans le monde, sans compter la New Beetle d'après, etc. Sure. Hein. Oui, c'est vraiment la cox. Sachant qu'elle a eu l'Europe et l'Amérique latine aussi. Exactement. On continue à la produire jusqu'à 2013 peut-être, je crois. Attends, je crois que la dernière produite dans le monde entier de l'univers de la cox, je crois que c'est juillet 2019 au Mexique. Ah. Hitler est élu en 1933 en Allemagne et il fait un petit peu miroiter ses électeurs en disant « je vais vous aider, vous allez tous avoir une bagnole ». Donc ça. Il impose à ce qu'on fabrique une voiture facile, accessible à tout le monde, pas trop chère. La voiture du peuple. La voiture du peuple, d'où le nom Volkswagen. Et la voiture doit surtout être accessible à tout le monde et être puissante et rapide à l'origine quand même. Pour rouler sur les autoroutes allemandes. Qui venait de faire. Exactement, puisque c'est Hitler qui a un peu créé les autoroutes allemandes. Et tu sais pourquoi elles sont si larges? Pour ses engins militaires. Ouais, et pour que les avions puissent atterrir dessus. Aussi. C'est con quoi comme idée? Non, c'est pas con justement. Bah parce qu'il savait qu'il allait faire la guerre le mec, donc il anticipait, il était malin. Il y a quand même pas mal de monde dans l'affaire, mais on va se limiter à Ferdinand Porsche. Et qui, il faut le savoir, s'est quand même inspiré de voitures tchécoslovaques. Et de deux modèles. Alors il y a la Tatra et une autre marque. Putain. J'ai oublié le nom. Et l'autre marque, c'est ça. Hop là, j'ai oublié. On peut pas. Non, mais l'histoire, elle est tellement rocambolesque qu'on peut pas tout apprendre par cœur. Tu peux pas tout apprendre par cœur. La Tchécoslovaquie, qui d'ailleurs avait fait tout un tas de procès en disant vous nous avez copié quand même les mecs, c'est pas très très bien ce que vous avez fait. Et Hitler, il a dit c'est pas grave, on va régler le problème. Boum, il a envahi le pays à faire classer. Même si l'histoire commence en 33, enfin en 38, il y a les premiers concepts, mais finalement, les constructions ne seront limitées qu'à des produits militaires. Donc la cox en tant que telle est vendue aux gens, au public, qu'à partir de 48. Et grâce indirectement aux alliés, parce qu'il y avait l'usine où ils fabriquaient tous les engins militaires. L'usine qui s'appelait pas l'usine de Wolfsburg, qui avait un autre nom et qui s'est appelé Wolfsburg après. C'est d'abord des Anglais qui ont décidé de la relancer. Et un certain Pitts, je mets aussi le nom là, parce que ce matin les noms je les oublie. Personne n'y croyait, cette caisse là c'est de la merde, jamais ça va être vendu. Enfin bref, tout doucement mais sûrement, puis finalement, ça a marché. Ça a cartonné, notamment aux États-Unis. Et puis donc après, de succès en succès, donc ça a été médiatisé, ça a bien marché, ça a marché en Europe, ça a commencé donc à être fabriqué après en Amérique du Sud, etc. Enfin bref, il y a eu de très 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 nombreuses évolutions. On arrive à discerner les générations des cox, avec notamment la vitre arrière. Notamment les vitres arrière et les pare-brises aussi. Pare-brise plat ou concave. Voilà. Pour les vitres arrière, c'est simple, t'as les splits. Une vitre ovale si tu veux couper en deux. Ouais. Donc t'as deux petits morceaux de chaque côté. Tu sais comment ils appellent ça en Allemagne? Non. Eh ben ils appellent ça les vitres bretzel. Ah ouais, ouais. Ah, comme le bretzel. Ouais, t'as les ovales. Ouais. Donc c'est ton ovale de vitre sans la séparation au milieu. Et après, bah, tu as les générations de 60 à 70 et après les générations 80 où là, elles ont les gros feux, les tableaux de bord en plastique. Ouais, parce que c'est 53 jusqu'à 58, les vitres, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors toi, c'est quelle année? C'est une 70. Comment fait-on pour rouiller une bagnole? T'as plusieurs façons. Soit tu la ponces, comme j'ai fait sur ce côté-là. Ouais. Tout le côté poncé, métal à nu. Après, tu laisses rouiller, tu mets un petit peu d'eau, un peu de sel, si tu veux que ça aille plus vite. Après, sur le haut de la carrosserie, je suis venu juste peindre et j'ai pulvérisé de la limaille de fer. Donc le toucher, tu verras, il est beaucoup plus granuleux, ouais. beaucoup plus rugueux que le côté. Là, c'est tout doux. Et là, c'est pas doux du tout. Là, tu pourrais poncer une pièce, là. Je peux limer mes ongles. C'est ça. Et de l'autre côté, j'ai peint. Et alors, c'était volontaire de ta part de faire trois
mode différent ou c'est parce que t'essayais? C'est parce que j'essayais. On va dire qu'elle est dans sa version finale. Ok, voilà, là elle est finie. J'ai trouvé son identité, le 53. Pourquoi voilà. 53 Choupette. J'aime pas quand c'est uniforme. Moi j'aime bien par exemple quand tu vas en rasso, que t'as une caisse et que tu te dis putain je vais faire le tour de la voiture. Tu commences sur le côté avant gauche, bah tu peux faire le tour de ma voiture, tu verras y a rien qui est pareil. Donc on appelle ça un rat. Un rat, c'est pas patinable. Une patine c'est une peinture qui vraiment a terni avec le temps, qui s'est usée naturellement. Si tu veux une belle patine, t'achètes un véhicule aux États-Unis, tu le vernis, tu touches plus. Ouais. Et le rat c'est vraiment voilà des caisses qui sont même la tôle à nu rouillée full rouille. Elle a le look rat. Elle a pas les mêmes yeux, elle est borgne. C'est la même chose, c'est un capot. Non. Si, j'ai pris découpé. J'ai pris un capot que j'ai découpé pour m'en faire une casquette. Alors attention, spoil les puristes, je suis désolé. C'est un toit ouvrant de Twingo ça. Mais non. Mais si. Mais c'est génial. Mais si, c'est pour ça qu'il plaque pas très très bien. Ah bah les puristes vont être en PLS mais... Ah mais c'est dans tous les domaines, il y a toujours des puristes qui sont en PLS, on en a rien à foutre. Et les rétros, c'est toi qui les as mis là? Ouais, à l'origine ils sont, tu peux les avoir soit sur les gonds de porte. Ouais. Ou ici. D'accord, ok. Donc tu vois, moi j'en ai pas ici. J'en avais un là-bas, ouais. Mais j'ai mis un décapsuleur à la place. Ah ouais, excellent! C'est des rétro Albert, il faut hypothéquer une partie de ton corps pour acheter... Ça coûte une couille, c'est ça que tu veux dire? Voilà, pour acheter deux paves rétro. Donc bah, j'ai pris des imitations, mais en même temps, tu vois... Bah ça va très bien. Voilà. Porte suicide ou antagoniste? Suicide, bah, pareil. Suicide, c'est ouais, pour avec ce genre de caisse, c'est mieux. Suicide. Donc la poignée était là, elle est arrivée là. Voilà. D'accord. La gage de porte était là, elle est arrivée là. Ouais. Voilà. Et puis bah ça c'est des charnières. Charnières IKEA. Non, le roi Merlin quand même. Le roi Merlin. Ah, attends, le roi Merlin. Et la toile de jute là, juste ça. Sur l'aile, elle est collée. Elle est collée. Hein. Les fameux sacs. C'est de ça. Café du Brésil. Il y non, c'est pas café du Brésil, c'est café d'au Brésil. Ah oui, voilà, c'est écrit. Ah. Tu sais pas le dire. Ça y est, là, à parler portugais, il est content. Moi, tu sais ce que j'aime? C'est que le pare-choc arrière. Il est neuf. Il neuf est dans neuf le papier. Dans le papier. Alors, j'avais acheté le pare-choc avant pour la petite histoire. Je l'ai trouvé deux cases. Pare-choc avant US, parce que je les trouve magnifiques, les ouais. US, type patiné et tout. Je me suis dit, je vais trouver l'arrière. Introuvable. Ah, ou alors je voulais pas raquer ma deuxième viande, ouais. Tu vois. J'ai dit c'est pas grave, allez je claque un pare-choc neuf. Putain, quand je l'ai reçu, j'ai demandé à des potes, ils m'ont dit franchement ça apporte un contraste, tu vois. Mais moi j'adore justement, oui. Il y a un contraste. C'est la seule pièce qui brille. Un store à lamelles IKEA. C'est pas un store à lamelles, c'est une jalousie. Voilà. Oui, mais intérieur celle-ci, elle est pas extérieure. Non, intérieur. Un moteur dans son état d'origine. Mais oui, il y a Ratatouille. Qu'est-ce qu'il fout là? Bah oui, c'est un rat. Bah oui, c'est un rat. Et c'est un Ratatouille, moteur d'origine. Ok, donc toi c'est un 1200. 1200. On va dire qu'en général c'est des 12 ou des 13 quoi. Voilà. Avec des perfs qui font frémir. Ah oui. 34 chevaux. 34, attends. À 3800 tours minute. Ouais, et un couple. Attention, là c'est pour tous les férus de vitesse. 7,5 kg. Et ça pèse combien aussi? Je crois que t'es entre 7 et 800 kg. Bien évidemment, flat 4. Voilà, refroidi par. Ouais. Ouais. Alors pas l'échappement d'origine, c'est un échappement en inox. Je vais repeindre l'intérieur. Tu vas le repeindre comment? Alors couleur rouille ou non, rose? Ouais, rose. Non. Je te jure. Putain, je disais ça en déconnant. Non, rose. En fait, je vais. Trop bien. J'ai acheté alors. Non, parce que le rose, ça va vite. Eh oui, ça va vite. Voilà, t'as la ref. En fait, ma couche de base sera rose. Oui. Par-dessus, je vais mettre un espèce de vert émeraude. C'est une peinture qui craquelle quand tu la chauffes. Et dans les craquelures, tu verras le rose ressortir. Putain, génial. Donc, ça te donne. Tu vas faire une photo. Hein. Bah, oui. Tu vas gagner 10 chevaux. Attends, minimum. Peut-être même plus. Tu mets en face de Ratatouille, tu mets une petite pop d'Hello Kitty, 200 chevaux. Tu te rends pas compte. Ouais, mais j'ai la place en plus. Mais oui, tu peux mettre toute la famille Hello Kitty là. C'est 100 chevaux par personnage. Allez, mais me chauffe pas parce que je vais peut-être la mettre. Hein. Tous les jours j'ai la banane quand je la prends. Et quand je vois que je donne la banane aux gens, ça fait encore plus plaisir. Ça fait encore plus plaisir. Les sièges sont-ils d'origine? Les sièges sont d'origine. Oh, j'adore ces sièges, tu sais pourquoi? Il y a des ressorts comme les matelas. Ah bah là ouais, intérieur d'origine. Full option. Attends, il y a la clim, écran tactile, il y a la totale. T'as tout. Oh là là. Et là tu passes en câble. En mode, enfin, en mode câble. On est là quoi. Et on dirait, tu sais, les robinets de plomberie ça. C'est ça. C'est un robinet de plomberie. Les vieux. C'est ça. Et alors à quoi ça sert là? Ça c'est pour mes phares. D'accord. Mes phares. C'est le pharaon. C'est le pharaon. C'est le pharaon. Parce qu'il s'appelle on le mec. Le petit bouton, alors c'est pas du noce, hein. Ouais. C'est juste mes klaxons. Vas-y, Oh, ah mais oui. Tu as le klaxon coccinelle. Eh, j'en ai un autre. Ah bon? Ouais. Vas-y.
Ah mais lui il est plus long lui. On l'a tellement essoré. Ouais mais il est enroué, ça lui va ah bien. Ouais. Ah oui là il est bien enroué. Bien enroué. T'as un pédalier de compète. T'as vu ça un peu? Montre. Bah regarde. Ah ouais. Bah ça c'est pour que la puissance elle passe. Bah faut gripper quoi. Attends, c'est ça hein. Ta porte elle s'ouvre du bon côté toi. Moi oui, elle est pas antagoniste. Ah t'as pas fait non. Les deux portes antagonistes. Mais parce que la voiture est asymétrique. Oui. C'est petit biscuit. Mais oui c'est petit biscuit de Shrek. C'est petit biscuit de Shrek. On est presque arrivé là. Ce passage. On est presque arrivé. Non. On est presque arrivé. Non. Est-ce qu'on est presque arrivé? Oui. C'est vrai? Non. On est presque arrivé. Non. Qu'est-ce que tu m'as saoulé avec ce passage? J'adore, mais rien que d'y penser, je rigole. Bon, on va rouler, on a assez parlé là. Allez. Allez. Je viens d'y penser, il n'y a personne qui est monté à ta place. Hormis moi. Ah. Jamais. Mais après, c'est pas question que je ne voulais pas. Hein. Oui, c'est qu'il n'y a pas eu l'opportunité. Mais c'est qu'il n'y a jamais eu l'opportunité, tu vois. Donc. Il va me mettre la pression là, ça y est, c'est fait. C'est surtout qu'avec 1296 chevaux, il va falloir faire gaffe. Et c'est dangereux. Et ça va très vite. Ah, mais regarde sur les ceintures, il y a le même logo que le volant. Montre. Ah. Eh ben, c'est le château du comté de Wolfsburg. Voilà, ok. C'est le logo de Wolfsburg en fait. Tu cherches la marche arrière. Ah putain, non mais attends, c'est la même boîte de vitesse que dans le combi. Je vais galérer. Eh oui. Est-ce qu'on peut refermer un peu la fenêtre pour le son tu ou pas peux. Vas-y. Oh putain, ma fouette, mais je chlore. Vas-y. Oh, c'est rouillé aussi. C'est sympa, regarde. Je peux faire ça, ça bouge pas. Tu peux même freiner, ça bougera. Ça freinera. Ah oui, pour anticiper le freinage. Ouais, 4 tambours. Ah 4 freins à tambour, ouais, faut que tu l'anticipes en chouïa, mais... Quand on le sait. Ça le fait. Voilà. Ça, la route, elle t'appartient dans cette caisse. Ah bah là, bien, carrément. Et amortisseur, frein, doupi-doupi-dou, origine. Non, pas les amortisseurs. Ah, à l'avant, non. J'ai des plus courts, donc ils sont forcément plus raides. D'accord. Et à l'arrière, elle est décrantée. Que tu perds aussi un peu le confort. Et ce qui fait du... Ah oui, les freins. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui, là, il faut s'entraîner les freins. Et puis, il faut bien tenir le volant quand tu freines. Oh. Tu conduis. Ah mais là, oui, carrément. Là, tu conduis. Tu ne circules pas. J'aime toutes ces caisses. Tu ressens tout. C'est pas besoin d'aller vite pour kiffer, comme les Austin. On a fait une petite abarthe il n'y a pas longtemps. Ouais, la vieille. Une petite abarthe de course, mais... Tu vis tout, t'as l'odeur, t'as tout quoi. C'est vraiment un monde à part. Dans le combi qu'on a essayé, c'était hyper rigolo. Il y avait un petit trou là en bas, on voyait la route. Je peux te lever un peu la toile de jute, on peut la voir aussi. Ah oui, d'accord. C'est un symbole un peu de liberté cette voiture aussi. Tout à fait. Et là, on est seul. Mais dis-toi que quand tu es en convoi, ce qu'on appelle en caravane, avec une vingtaine, une trentaine de VV, quand tu vas dans des rassos, c'est encore plus fun, quoi. Là, c'est une philosophie vraiment à part. Le monde de la Cox, en fait, je pense qu'il faut y goûter. C'est ça. Pour la comprendre. Ah, franchement, voilà. Génération. Ah, ils ne pas être rayonnés eux. Ils vont avoir du mal. C'est sûr de passer de Avenger à ça. De Transformer parce que Bumblebee. Alors oui, t'as eu Bumblebee aussi. Ouais. Bien fluide, bien cool, que d'aller l'emmener à fond, la pauvre. Ouais, oui, en plus, t'as l'impression de la faire souffrir.
prison de la... Ouais. Oui. Tu lui dis, oh pardon, Choupette. Mais d'ailleurs, est-ce que tu lui as donné un surnom? Oui, elle en a un. C'est marqué sur la plaque. Je l'ai appelé Ratsby. Donc d'abord, le vrai nom, c'était Volkswagen. C'était, voilà. C'est ça. Ah, voilà. Après, donc, elle s'est appelée Cox. Mais en fait, là, c'est la liste surtout des surnoms. Là. Des surnoms dans le monde entier. Tu avais le surnom de Bull pour tous les pays un peu scandinaves, Norvège, Danemark, Suède, Finlande. Ouais. Donc Bobble, Boblen. Au Brésil, elle s'appelle Fusca. Et Fusca, ça veut dire aussi... Coléoptère. Roumanie, Indonésie, Irak. Elle s'appelait Grenouille, Tortue. C'est marrant, Tortue. Pour tout ce qui est Turquie, Bolivie, Bulgarie, ouais. Thaïlande. Qu'est-ce que ça fait du bien de rouler tranquille. De prendre le temps. Ah oh ouais, putain, c'est le pire. Et une fois que tu t'y fais au frein, c'est de l'anticipation un peu. Ah ouais. Hein. Alors je confirme, mon cher Florian, que dans les rétros, on ne voit rien du tout. C'est fait pour le style, mais pas pour la praticité. Mais cependant, on voit tellement bien dans celui-ci. Dans celui-ci. On voit tout. C'est on a ça. Pas besoin. Non, mais des pièces, tu les trouves. Ah oui, c'est vrai, tu trouves toutes tes pièces. Je trouve pas mal de pièces. Après, il y a des pièces beaucoup plus chères que d'autres, bien sûr. Oui. Ça dépend aussi de l'année de ta voiture, bien entendu. Ouais. Mais en général, on t'est plutôt bien fourni. Vraiment. Oh, puis toi, des 70, peut-être que tu trouves plus facilement qu'un des 50-60. Bien sûr. T'as les Epp Müller. Mais oui, c'est vrai que ce mec en a fabriqué et il n'y en a eu que 696. C'est ça. Oui, et il a arrêté parce que l'usine a pris feu. Exactement. Mais oui, je l'ai lu, cette histoire, elle est folle. C'est génial, la couture. Une fois que t'as pris la main, là, franchement... Une fois que t'as pris la main, tu peux en envoyer. Ah ben, est-ce que tu veux prendre le volant? Allez. Et qui c'est qui te l'entretient? Moi. Ah, c'est toi, tu fais la mécanique aussi? Ouais. Et c'est quoi le meilleur rasso à faire, VV, si on veut découvrir ou aimer en France ou même ailleurs, hein? Alors, je vais faire un peu de la pub pour mon petit Ludovic. Le rasso qui est en Indre-et-Loire, le Castle Party, dans un château. Franchement, il y a une bonne ambiance, un bon petit délire. Cette année, je vais faire le Clisson Vintage. Toutes les rues, t'es garé dans toutes les rues de la ville. Toute la ville est bouchée, c'est vraiment quelque chose de pas mal. C'est ouf. Mais même les klaxons des camions qui font de la musique là, je vais me faire traiter de beauf, mais. Quoi? Mais franchement, mais qu'est-ce que c'est fun! C'est super drôle! Y'en a qui trouvent ça beauf! Ah, y'en a! Attends, merde, c'est une philosophie! Tu lui colles les cordes de TGV là sur le toit là! Quand t'appuies, ça te fait un souffle, ça te propulse! C'est technique! C'est comme le sticker, j'essaye ta caisse, tu gagnes 25 chevaux minimum! Minimum, attends! Putain, quand je vais repartir, je vais sentir la diff. Tu vas voir. Qu'il a toujours kiffé ce type de bagnole, mais avant il n'avait pas du tout des bagnoles comme ça. Non. Il en a eu plein et je peux te dire rien à voir avec ce qu'il a là. Ah ouais, tu roulais avec quoi avant? Ma première voiture quand j'ai eu mon permis, un Super 5 GT Turbo, phase 2. Ah ouais, t'avais des casques, on voyait du grenage qui pue. Voilà. Pour l'époque surtout. Voilà, j'étais très féru de Renault.
Ah ouais. Donc Super 5, R11, Turbo, ouais. R21, R8 Major. Ouais, aussi. Putain. R8 Major. Après, j'ai fait un petit saut chez Peugeot, 405 et MI16. Waouh, mais t'as eu des collecteurs. J'ai eu le Saxo VTS. Après, bah oui, une Subaru. Non, mais t'as, oui. T'as eu toutes les caisses que je kiffe. Un Caddie M15 posé par terre, ouais. Une Golf 1 cabriolet. Ouais. Et la coque, c'est mon combi. Et là, okay. Maintenant, je bouge plus.